Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cet épisode du 31 octobre 2020. Donc, j'ai tourné cet épisode avec une petite théorie. Si jamais on publie un épisode sur YouTube à 23h50, donc au bout de 10 minutes, ça devrait être minuit. On est d'accord, donc 23h50 plus 10 minutes égale minuit. L'année dernière, j'ai fait l'essai, c'était pas minuit. Mais bref, je vais réessayer cette année, mais en un peu plus perfectionné. Comme vous le savez, sur cette chaîne, il y a beaucoup de jeux vidéo. Beaucoup. Selon Let's Play Index, la dernière fois que j'ai vérifié, il y a à peu près 6 mois, il y en avait 31. J'en ai rajouté une dizaine depuis. Donc, on va essayer de faire ça. Et ah oui, et par contre, au fait, un petit truc. Hein. Je vous préviens, je vous souhaiterai pas la bonne année. Non, non, parce que l'année dernière, ça nous a pas réussi. La bonne année l'année dernière, c'était même pas la peine. Donc, on va le faire différemment. On va tourner la chose d'une manière légèrement différente. Mais en attendant que ça arrive, parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, je suis une brêle en montage. Ça fait 3 ans ou je sais pas combien de temps que j'ai la chaîne, mais ça, je suis une brêle en montage. Oui, bah les voix parlent, mais je m'en fous. Donc, voilà, ne vous attendez pas à grand chose honnêtement, je préfère être sûr, je préfère que ce soit dit. Oui, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Il y a des gens ici? Oui, ils sont où? Il est où? Il y a vraiment des gens ici? Donc oui, bref, sur Division 2, on est d'accord que depuis longtemps, on tourne en rond. Qu'il y a les mises à jour, c'est plus tout à fait ça. Ah oui, il y a des gens, putain, ça fait bizarre, excusez-moi, hein, je dérange. Bonjour. Ok, il y a des gens. Bon, bah, je m'en fous, moi je me casse parce que c'est pas ça que je veux faire. Mais quitte à tourner en rond sur Division 2, autant vraiment tourner en rond. Ce qui fait que j'ai prévu de vous faire une série à la con où je fais le tour de la map, mais sans tirer un coup de feu. Interdiction absolue de tirer un coup de feu. Là, il y a la saison qui est activée. Tous les points sont en rouge. À une ou deux exceptions près. Et bien sûr, on va commencer par le début du jeu. C'est-à-dire la Dark Zone Est. On va faire tout le nord de la map. On va passer par la Dark Zone Ouest. Attendez, non. J'ai pas encore affiché l'itinéraire en fait. Après, bon, par contre, les Osumite et autres, clairement, ça peut pas être fait sans tirer un coup de feu, donc c'est mort. Ouais. Ouais, non, on va faire ça comme ça. On va commencer par le nord de la map. Ça, donc, ce sera tous ces quartiers. Je dis Siri Square et... Comment ça s'appelle? Et ce quartier. Et ensuite. Je calcule en même temps, hein, je le fais en direct. Après, je pense que je continuerai au nord par Maison Blanche, Downtown East et ici. Je ferai un petit tour par la DZ. En sortant de la DZ, on passera par ici. On redescendra sur Foggy Bottom, Constitution Hall. On repassera par la Maison Blanche. Et comme on est proche de l'hélico, je pense qu'il y aura un passage à New York. Faire le tour de la map de New York, pareil. Revenir ici, faire le tour du Potomac Center. Passer par la DZ Sud. Remonter par Southwest, East Mall devant le Capitole, revenir par le Federal Triangle et finir dans la Dark Zone Est où tout a commencé. Donc c'est vraiment un tour de la map et interdiction absolue de tirer un coup de feu, que je croise des renégats, que je croise des pinges, etc. etc. Pas un coup de feu ne doit être tiré. Je ferai avec une difficulté croissante. Donc l'idéal pour réussir ce genre de truc, c'est un build heal pour rester en vie et un build tank. Donc ce seront les deux premiers builds et après j'adapterai. Par contre la difficulté du jeu restera toujours en héroïque. Et je finirai quasiment à poil, hein, je vous préviens, ça va mal finir. En général, quand je dis à poil, hein, c'est un build qui indique que tu te prends une balle, t'es couché. J'en ai. Voilà, bah, histoire de tourner en rond, autant vraiment tourner en rond et faire toute la map en rond. Voilà, bref, c'était ça mon idée. Et à New York, bon, je pense que le spawn... ouais, voir, New York, comment ça peut se faire? Commencer par le tanker échoué, remonter vers The Tomb, descendre par le refuge des animaux... Passer devant le Passway Park, descendre vers la Trinity Church, passer par ici, par la plage au sud, faire un petit tour vers la Liberty Island, remonter par Wall Street, pareil, banque alimentaire, faire un petit tour par Evan, parce qu'on sait jamais. Et après, bâtiment résidentiel et le tanker échoué pour revenir après à Washington. Hein, ou alors plutôt banque alimentaire, tanker échoué, bâtiment résidentiel et Evan pour rentrer à Washington. Ok, voilà. Ça y est, j'ai mon itinéraire. Je m'en rappellerai jamais, mais j'ai mon itinéraire. Et il faut pas que j'oublie, si jamais j'oublie, hein, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires que je dois faire ces épisodes. Hein, on sait jamais. Donc on va commencer par la CP Est, le point écho. Mais pour ça, il faut un café.
Donc je ferai pas de coupure à proprement parler, je ferai la coupure au montage, donc si j'essaierai de pas couper pendant une phrase, j'espère, parce que j'y arriverai, honnêtement j'arriverai pas à me rappeler que dans 4 minutes 52 je dois couper, c'est mort. C'est mort, j'y arriverai pas. Surtout que s'il faut je me retrouve avec des renégats, même pas la peine. Donc là pour l'instant on va le faire safe, on va prendre le premier build, le proto-tank. Non c'est pas lui. Voilà, donc ça va être le premier build, ça va être le build résist, le build qui est juste là, pour dire... Putain, il est un peu fort dans ce café, non? Mec, qu'est-ce que tu foutu encore? Ouais, il est peut-être pas... Voilà, j'ai peut-être foiré mon café. Bref. Donc, ça c'est juste un build qui est là pour dire je résiste, point. Et donc, interdiction de tirer un coup de feu. Ça va être compliqué. Je vais commencer... Alors, on va commencer par se balader un petit peu, enfin, ça je le ferai après, ça sera la fin. On va aller faire un petit tour par ici, on va juste passer tout droit, on va suivre la route tout simplement, on va redescendre jusqu'au CP Charlie, jusqu'à CP Charlie. Ça va être compliqué parce qu'en ce moment on décède, il y a du monde. Et bien sûr au fur et à mesure je rajouterai des activités minimales à faire dans un épisode. Si là par exemple, là je vais croiser je pense une activité, ce sera parce que pas le choix. Mais dans l'idée, dans les prochains épisodes, je devrais passer au milieu de 3 points de contrôle par exemple, 5 points de contrôle, machin, patin, couffin. Selon l'itinéraire, j'adapterai. Bonjour. C'est un tank ça? C'est quoi? C'est un mec? C'est un tank? Bonjour. Ah non, c'est juste un tout seul. Ça commence à l'enfer. Oula, il y en a beaucoup là. Je dois pas tirer un coup de feu, je le rappelle, hein. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas compliqué. Je suis avec un build tank donc bon. Putain, mais ils visent comme des brels les mecs. Voilà, j'allais faire un tour dans le. Je vais passer au travers du point de contrôle, sinon c'est pas drôle. Non mais attends, je suis passé à côté d'eux. J'aurais marché dessus. Mon dieu, ce jeu. Non mais quitte à tourner en rond, autant vraiment tourner en rond, c'est pas drôle. C'est pour ça. Parce que justement, vous m'avez, Icorsou, tu m'as fait remarquer dans mes commentaires qu'on tournait en rond dans Division 2. Et je suis d'accord, hein, je suis tout à fait d'accord. On tourne vraiment en rond. Oula, oui, je passe au milieu. Et donc voilà, autant le prendre au pied de la lettre. Bonjour, excusez-moi, je fais passer. Excusez-moi, hein, pardon. Bonjour. Aïe. Je fais passer. J'ai dit, je faisais que passer. Non, mais je fais que passer. Hein. Je suis pas agressif. Remonter un peu parce que je sais plus où je devais aller. Ah, une patrouille. Bonjour. Non, mais pas la peine de me heal, les mecs. Hein. Je fais que passer. J'entends une ruche. Mais pourquoi j'ai une ruche? Ouais, non, mais arrêtez les mecs. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vous ai prévu, là c'est facile. Je suis dans des Z. Je sais pas où je suis, mais j'y suis. Après, je peux tenter. Mais. C'est ma ruche qui s'active toute seule? Mais oui, c'est ma ruche. Mais comment? Merde, je suis perdu. Ça y est, ça commence bien. Le problème de faire un truc comme ça où tu fais le tour de la map sans tirer, c'est que j'ai aucun sens de l'orientation. Et ce sont pas des parias, donc ça va bien se passer. Putain, mais il y a du monde. Le bordel de merde, mais il y a du monde. Ah bah là, il y a des parias par contre. Excusez-moi. Ça va être juste, ça va être très juste. Ok, je sais pas quand est-ce que je vais devoir me hit, mais ça va pas tarder. Ah mais non, j'ai mon bouclier. Ok, c'est bon, ça passe. Maintenant, on rush. Allez, cours. Ça commence à être short. Merde. Ah oui, putain, je peux sortir, ça va. Je peux passer, là. Mais dis-moi pas que je me suis enfermé comme un con. Non, ça va. Mais tout le bordel. Interdiction absolue de tirer
un coup de feu dans tout l'épisode. Même dans tous les épisodes de cette série, interdiction absolue de tirer un coup de feu. Si je croise des coffres, je fouille les coffres. Un renégat. Non, 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 je vais pas les passer à côté d'un renégat. C'est bon, je sors de la DSL, je suis sorti de la DSL. Voilà, on est arrivé, on continue. Après, je vais pas mettre de chrono parce que j'ai pas prévu d'itinéraire, mais une fois que ce sera fait, si ça marche, si ça vous intrigue, on le fera au chrono. Mais au chrono, non-stop, un épisode, un tour. Donc là, j'avais dit, il fallait que je passe, faut que je remonte vers ce point de contrôle, vers l'infirmerie. Que je passe après par ici. Merde, c'est déjà plus ce que j'ai dit. Ah oui, Federal Triangle, c'est plus tard. Donc je redescends par l'avenue de Downtown East, que je passe le long en haut de la Maison Blanche et que j'aille ici. Okay. Donc on a dit l'infirmerie, après on passe vers le Dragon Rouge. Ça j'ai un itinéraire, ce sera viable. Oui, en fait, oui, quand on tourne en rond, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, le principe de tourner en rond sur Division 2, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a du farming, qui est complexe. Mais il n'y a pas que ce jeu qui est en mode farming complexe. On prend un jeu qui est sur du farming, qui est souvent long, c'est Borderlands 3. Pour obtenir une arme précise, ça peut atteindre, même les Borderlands, ça pouvait atteindre plusieurs centaines d'heures. Ça peut être très très compliqué d'obtenir une arme. Quoique dans le 3, pour l'instant, j'ai pas vu vraiment de difficulté. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Là, il y a... Oula, ouais, ça ils sont un peu craignants. Donc, oui, mais l'avantage en fait de Borderlands, c'est qu'il y a toujours une surprise. Le jeu déjà se prend pas au sérieux, ce qui est un gros avantage pour moi par rapport à Division 2. Et il y a aussi un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a 15 milliards d'armes. Oui, oui. Non, mais il y a de tout, hein. Vous avez tout et n'importe quoi. Ce qui fait qu'on arrive sur des compositions totalement absurdes qui se jouent, mais qui sont excessivement fun. Vous avez par exemple un sniper pompe. Un sniper, tu appuies sur un bouton, il passe en mode fusil à pompe. Mais vraiment, hein. Mais c'est bien, c'est cool. Après, bien sûr, il y a aussi les variantes avec glace, acide, radioactif, ou avec des balles enflammées. Avec balles radioactives, ça fait un peu mal, mais bon, bref, là n'est pas la question. Ensuite, vous avez un sniper sulfateuse. Oui, oui, avec le machin qui tourne devant, un sniper sulfateuse. Et il y avait aussi quoi de rigolo? Il y avait un sniper qui tire des bouboules. Des grosses bouboules, un sniper à couilles. Après, il y a aussi le pompe à couilles. Enfin, pardon. Non, mais il faut que j'arrête de dire le pompe qui tire des grosses boules. Voilà. Au moment où je l'ai dit, je savais que ça partait en couilles. Excusez-moi. C'est un fusil à pompe qui tire des grosses boules. J'ai pas d'autre mot. Là, je suis au bout de 4 zones. Ça se passe très bien. Heureusement que les pinches du jeu sont complètement teubées. Ils s'arrêtent pour prendre leur drogue. Moi, j'ai mon drogue. Bref, voilà, donc il y a... Et en plus, les bouboules qui tirent les pompes sont très radioactives, etc., etc. Parce que je fous la merde. En sortant, je fais plus la merde. Voilà, là, il faut que je calcule bien mon passage pour que ce soit risqué, mais pas trop. Parce que oui, si je meurs, je recommence tout de zéro. Les checkpoints, ce sont les zones sûres par lesquelles je passerai. Donc là, la Maison Blanche, en l'occurrence. Allez, deux tanks. Merde, je peux pas tirer. Pourquoi je peux pas tirer? Merci, non mais, en bon qu'il joue. J'ai un tank, j'ai un point de contrôle au plus, c'est parfait, les alliés déperdent. Si c'est juste pour foutre la merde. C'est jamais ça peut être rigolo. Ah oui, je ne dois pas tirer de grenade non plus, sinon c'est pas drôle. Il n'y a que les capacités qui sont autorisées, capacités non offensives. Ça, si c'est une capacité offensive, c'est fumé. Aïe, aïe. Aïe. Oh, c'est joli ici, tiens. J'ai pas vu beaucoup de coffres jusqu'à présent. J'essaye surtout de survivre, hein, je l'avoue, mais j'ai pas vu beaucoup de coffres. Non, par contre, effectivement, si. Qu'est-ce qu'il y a quoi là? Je crois que je suis jamais rentré là-dedans. Y'a quoi? Je suis où? Je suis perdu. Où est-ce que je suis? J'ai venu ici? Je crois que j'ai un coureur qui me suit. On va voir combien de temps il me suit. Où est-ce que je suis? Ah ouais, c'est des hyènes. Ça fait combien de temps qu'ils me suivent? Ah, ça doit être les derniers. Bon, on sort. Voir. Cours. Parce que s'ils me touchent, je suis mal barré. Ils me suivent. Ah, ils sont motivés, les mecs. Ça court. Ah oui, ils m'ont pas oublié, ça.
Le drone arrive un peu à me soigner. Quand je vais tout droit, il arrive à me soigner, je crois. Ouais, il arrive à me soigner. Bon, bah, ça avance bien. C'est de la merde, hein, mais ça avance bien. Après, je suis avec un build tank qui a 3 millions de PV, donc c'est sûr, ça passe. Par contre, quand je serai avec mon build proto souffrance, ça passera moins. Je mourrai très vite, surtout que j'essaierai d'augmenter la difficulté. Si jamais je trouve des gens qui sont assez cons pour s'amuser pendant que moi je cours comme un dératé autour de la map, ouais, je prendrai du monde, parce que là, qu'il y ait 10 personnes, des pinches qui feront plus mal. Ça pourrait être encore plus rigolo. Faudra que je vois s'il arrive à faire ça. Où est-ce que je suis, par contre? On va se mettre là, dans l'idée, j'aimerais pas trop mourir tout de suite. Où est-ce que je suis? Ok, tout droit. Je vais pas aller leur marcher dessus non plus, hein. Je suis pas mazo. Ah bah j'ai toute ma vie. Allons leur marcher dessus. Salut. Bonjour. Fais pas chier les civils, excusez-moi, je fais que passer. Seul civil s'en sort et moi je me casse. Eh, un sauvetage sans tirer un coup de feu. C'est pas beau ça? Ah merde, il y avait un coffre, j'ai loupé celui-là. Bon, je regarde aussi la minimap pour voir les coffres des hyènes, etc. Mais il n'y a que dalle pour l'instant. Ah, encore un sauvetage de civils, si j'y arrive. J'espère que je vais y arriver. Bonjour. Excusez-moi, menacer des civils? Menacer des civils? Bah regardez, il y a pire que la civile. C'est un débile qui court. Loupé. Même pas mal. Vous êtes nuls. Non mais courez si vous voulez me rattraper. Par contre, il faut saluer un truc, l'endurance de Legend de la Division, qui court à peu près depuis 3 heures, et qui est toujours en forme et qui est même pas essoufflé. Hein. Ça, il faut le saluer parce que c'est une performance sportive qui est magnifique. Ou comme dirait l'autre, magnifique. Ça, c'est de la performance sportive de haut niveau qui devrait être saluée par le fameux présentateur sportif Nelson Montfort, si c'est bien un présentateur sportif, vu que je n'y connais absolument rien, que je suis une brêle en tout ce qui touche au sport. Même le sport à la télé, pour moi, c'est fatigant. Et je déconne même pas. Je regarde jamais de sport à la télé. Ça me gonfle. C'est quoi là? C'est quoi? Ah, c'est les grues renversées. Ouais, je passe au travers ou quoi? Là, je suis où en fait? Parce qu'il faut que je redescende vers la Maison Blanche. Non, en fait, faut que je continue tout droit. Faut pas que j'aille vers la Maison Blanche. Donc, faut que je continue par là. Ah, il y a une hyène qui me court après. C'est quoi? C'est les tests? On va lui faire voir les tests. Ah non, merde, c'est des hyènes. Je rentre, il est prêt. Hein. Il me colle au cul. Ça va partir en couille. Ah, c'est une mini-série Division 2. Tant qu'il n'y a pas de contenu, ben, je tourne en rond. Et je crois que je vais l'appeler comme ça. Il n'y a plus rien à faire, je tourne en rond épisode 1. Ah, je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Hein. Je suis parti très loin. Enfin, peut-être pas très très loin, mais loin quand même. Bonjour. Ah non, mais me fixez pas. Ah, mais merde. J'ai pas le temps. Cassez-vous, j'ai pas le temps. Bon, après, si j'arrive à me chronométrer et faire un chrono qui est pas dégueulasse, hein, vous pouvez le faire. Par contre, n'essayez pas de suivre la même itinéraire que moi, je sais pas où je vais. Si jamais vous voulez faire, vous pouvez, hein, amusez-vous. Ça sert à rien. C'est faisable. Bonjour, faites des pompes. C'est bien. Moi, je fais du sport. Je fais mon footing. Bon, ok, il y a quelques piqûres dans le footing. On va pas le cacher. Ça servira à rien. Ouais, je pense que je vais faire ça à chaque fois que je vais... Ouais, c'est ça. Ça y est, je commence à me faire mes règles en même temps. Alors, j'ai rien calculé avant. A chaque fois que je passe par un point de contrôle, un point pacifique, je m'y arrête et ça mettra fin à l'épisode. Je tiens un truc. C'est mieux que les épisodes de Ligue de l'Ardinque, honnêtement. Bon, par contre, niveau XP, c'est pas ça. Mais... Eh hey. Ah bah tiens, on va aller refoutre la merde. Bonjour. Excusez-moi, je suis passé. Je vous laisse un petit cadeau. Démerdez-vous avec ça. Pardon. Bonjour. Personne. Excusez-moi, je suis passé. Pardon. Aïe. Oh, bah ça va, j'ai d'avis. Bonjour. Bah, démerdez-vous, hein. Y a déjà une guerre. je vous vois les mecs. Démerdez-vous, moi je me casse. J'ai autre chose à foutre. C'est beau, c'est jaune. Oui, oh, il y a encore des gens. Mais il y a beaucoup de monde sur cette map. Et on finira l'épisode sur un constat que j'avais oublié de faire lors du dernier épisode. Sur une question de scénario.
On est d'accord que le poison vert est censé avoir tué, on va dire, 99% de la population mondiale. À une époque où il y avait environ 7 milliards de personnes en vie. Il n'y a pas qu'un seul agent de la division. Et je regardais la population aux USA, juste avec les chiffres actuels. Alors, il y a un peu plus. Oui, même maintenant, il y en a un peu plus. Pardon, excusez-moi pour la mauvaise blague. Oui, je sais, c'est pas... Bonjour, mais laissez-le tranquille. Regardez, vous avez une cible qui est plus rigolote. J'ai un bonnet et j'ai un drone. Non, mais me tire même pas dessus. Non, mais je m'arrête pas parce que m'arrêter ne servira à rien. Ça serait contre-productif pour mon défi à de merde. Ah, mais attends, c'est quoi? C'est en plus? Comme contre la vie, mais 80. Ok? Ok, oui, c'est là que je dois aller. Donc là, ça a été pris et comme de par hasard, ça n'a pas été pris. Oh, c'est bizarre. Bon, ben on va rentrer au refuge et ce sera un petit épisode calme pour commencer. Mais est-ce que je peux pas passer par un coin? On va aller se balader un peu d'abord. On va aller faire un tour par ici, on va redescendre par là, on va passer par le point de contrôle, on va remonter vers le refuge. Voilà. Qu'au moins l'épisode fasse une demi-heure, qu'il y ait un peu de suspense. Je vais pas y arriver, parce que je vais pas y arriver. J'ai déjà failli pas y arriver. J'ai réussi à foutre la merde à deux points de contrôle, à créer des guerres, à tuer des gens, des alliés surtout. Oui, parce que les PNJ verts sont des alliés, enfin, dans l'allié. Et bien sûr, après, c'est bon, ça on verra après, mais je pense que je me démerderai pour avoir un skin par épisode. Donc, on est au siège de la banque. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que vous faites ici? Pardon. Coucou. Salut, je repasse. Ils sont vraiment très cons ces pieds. Ah non, tu m'as loupé, c'est dommage. Salut, je repasse. Non mais toujours pas, hein. Il était presque. Ah, bravo, il m'a touché une fois. On réessaye. Réessaye, vas-y, apprends à viser. Ah, bien, deux fois, bravo. Allez, on teste une dernière fois. Vas-y, dernier essai. Même pas. Ah mais non, mais il est vraiment con. Hein. Je crois qu'il est juste très con. Attends, je me mets à côté, je bouge pas. Quand même. Quand même. Ah quand même. Ah voilà, ça fait beaucoup. Là je me casse. Non mais il est con. Hein. Enfin, il est con, il est con, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Lui 2020, ça l'a pas réussi. Nous, moi non plus. Hein. Pas grave. Pour avoir. Attends, il faut quand même en arriver loin sur un jeu pour n'avoir que ça à foutre. Faire le tour de la map. Sans rien faire. Sur un jeu avec des armes, ne pas tirer. Après, il y a plus dur, hein, je vous l'accorde. Faire le même sur Borderlands, c'est pas pareil. Plus dur. Parce que Borderlands, déjà, il y a 15 milliards d'armes. Et en plus, il y a beaucoup de monde et ils sont très agressifs. Ils sont un peu psychopathes sur les bords et ils font très très mal. Bigur, bigur. Ça passe. Par contre, au moins, c'est l'économie d'une mission. Eh, ils s'entretuent tout seuls. Attends, c'est la musique qui s'énerve. La musique s'énerve toute seule, je vais rien demander. Bon, Ouf. Je peux pas m'arrêter. Moi, je voulais essayer de m'arrêter, mais je peux pas. Donc là, je sais pas où je vais. Il me suit. Je vais pas m'arrêter trop non plus. Ou alors, on va essayer de le faire tourner en rond un peu. Il me faut un véhicule long. Camion. Viens, pépère. Viens. Hop. Allez, ok, juste très con. Non, mais je voulais essayer de le faire tourner en rond, c'est pas drôle. Bon, y a des gens encore sur la route ou pas? Oh, c'est une zone pacifique, fais chier. Ah oui, merde, je suis pas du tout au bon endroit en fait. Bon, mais voilà, c'était la course dans Washington sur Division 2, étape 1. Et une... Non mais je vais pas le dire, ça va nous porter la poisse, merde. Non, fin 2020, merci à vous de m'avoir suivi en 2020. Et maintenant ce début 2021, si vous êtes encore là, c'est que c'est début 2021, je peux pas le faire en première. J'aurais bien aimé, honnêtement, j'aurais aimé faire l'épisode en première, mais le problème c'est que je sais pas combien de temps dure le générique de la première, je sais pas si je peux le régler à zéro. C'est première, tu commences maintenant. Ou alors même pas, je peux même pas, il faudrait que je règle sur 5 minutes, c'est de la merde. Ah c'est chiant ça. Je vais voir comment je règle ça, je vais faire le montage, je vais faire la coupure au milieu de l'épisode et on verra bien ce que ça donne.
En attendant, la prochaine étape, ce sera de passer dans West End, de faire le tour de la Dark Zone Est, et de redescendre vers un point safe, je pense, selon le temps, ce sera soit Truman, soit les archives. En foutant la merde, bien sûr, à chaque point de contrôle qu'on croise. Bien sûr, comme de par hasard, les deux que j'ai activés, aucun n'a été capturé. Bizarre. Surtout ceux des saisons qui sont censés s'activer qu'avec le joueur, apparemment. Et bien sûr, on n'oublie pas le truc le plus chiant de Division, les tracks. On est d'accord que c'est casse-couille, hein. Hein, quoique la chine. Non, même pas. J'en ai à foutre. Honnêtement, je le fais juste pour avoir la récompense. Hein. Moi, c'est tout. Je fais rien. Et d'ailleurs, est-ce que je peux faire ça avant de finir? Oui. Eh ben oui. Eh ben non, 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 non. Ah ben, y a plus d'eau. C'est la merde. Bon, ben. Voilà, quoi. Même ça, ça passe pas. Bon, ben, les gens, on va se donner rendez-vous pour un prochain épisode de course au travers de Washington. Je sais que c'est de la merde, mais il y a tellement rien à faire sur le jeu que j'ai plus que ça à foutre. Donc, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement. Après un épisode de pétage de durite, je trouve que c'est très bien. Il y a des mecs qui jouent de la musique, c'est très bien. On va s'arrêter là, parce que j'ai un peu de... Voilà. Voilà, parfait. Parfait pour finir l'épisode. Moi non plus, j'entends pas la musique, hein. Et au moins je suis crédible. Pour une fois, la danse est crédible. Bon, allez, on va s'arrêter là, les gens. Sinon, ça va être trop long, je vais pas arrêter de faire de la merde. Donc, prochain épisode, bien sûr, prochain build, ce sera le build healer. Et je vous laisse sur cette danse fluide d'un débile avec un bonnet de Noël. Parce que, aussi en vrai, moi j'ai la clochette au moins. Le sien est de meilleure qualité, mais moi j'ai une clochette. Bref, je vous laisse. Et encore, profitez bien. Enfin, voilà. Non, mais je vais pas le dire, ça m'énerve. Moi, je le pense de tout mon cœur. Mais je le dis pas parce que la dernière fois, ça nous a porté la poisse. Bon, ben allez, à Jacques Test. Hein. Voilà. Bref.